soutenez la télévision et ses matabotini dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par Timoney, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SC Matogo TV, la première chaîne missionnaire. Écoutons les textes de ce samedi, lus par la sœur Merveille Lawson de la paroisse Jésus Miséricordieux d'Avé-Pozokuta et le diacre Achille Métinou, prêtre de la Société des Missions Africaines et commenté par le père Raoul Nguetia, prêtre de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Chapitre 5. Du verset 13 au verset 20. Bien-aimés, l'un de vous se porte mal, qu'il prie. Un autre va bien, qu'il chante le Seigneur. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'église. Ils prieront sur lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière, inspirée par la foi, sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et, s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La supplication du juste agit avec beaucoup de force. Le prophète Élie n'était qu'un homme pareil à nous. Pourtant, lorsqu'il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il a prié de nouveau, et le ciel a donné la pluie, et la terre a fait germer son fruit. Mes frères, si l'un de vous s'égare loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, alors, sachez-le. Celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait sauvera sa vie de la mort et couvrira une multitude de péchés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 140. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Seigneur, je t'appelle, accours vers moi, écoute mon appel quand je crie vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Mets une garde à mes lèvres, Seigneur. Veille au seuil de ma bouche. Je regarde vers toi, Seigneur, mon Maître. Tu es mon refuge. Épargne ma vie. Que ma prière devant toi
s'élève comme un encens. Acclamation. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout petit les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, le salut de Dieu est offert à tous, car nous sommes tous des enfants de Dieu, et la prière nous met en communion avec Dieu. En effet, Saint Jacques de la première lecture nous parle de l'importance de la prière dans les bons comme dans les mauvais moments. Il nous parle aussi de l'importance de ramener les gens à l'Église lorsqu'ils sont égarés et l'importance de la confession ainsi que l'onction des malades. En toute chose, Dieu est prêt à écouter et à aimer son peuple. Saint Jacques affirme que toute souffrance et toute joie dans la vie du chrétien doivent se transformer en prière et en cantique. Et la prière doit donc nous y aider. Jacques nous rappelle que la prière est si puissante que lorsqu'Élie a prié pour une sécheresse, il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Saint Jacques encourage donc chaque chrétien à s'adresser au Seigneur avec tout le sérieux que cela implique, dans l'obéissance et l'humilité. Une prière froide et sans foi sera inefficace pour guérir une maladie. Mais celle qui est animée par la foi sera agissante. Quand nous subissons la maladie, nous devons avant tout implorer Dieu pour le pardon de nos péchés et confesser nos fautes les uns envers les autres tendra grandement à la paix et à l'amour fraternel. Ainsi, dans l'humilité, nous pourrons avoir part au royaume de Dieu. Dans l'Évangile, le Christ nous dit que si nous n'accueillons pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant, nous n'aurons aucun espoir d'y entrer. Il utilise à nouveau la confiance d'un enfant pour nous montrer l'approche que nous devrions avoir envers Dieu. Une approche de confiance totale, en paix, toujours aimant et bienveillant. Jésus enseigne à ses disciples que les enfants sont le modèle de l'accueil du royaume de Dieu. On lui présente des enfants pour les lui faire toucher. Marc chapitre 5 à 13. Il embrasse et bénit les enfants. D'abord, l'enfant accepte d'avoir besoin des autres. Pour vivre, il lui faut tout recevoir. La nourriture, la chaleur fraternelle, la sécurité, l'affection. Il ne se révolte pas d'être ainsi dépendant et il est heureux de faire confiance. Pour Jésus, les disciples doivent abandonner leurs prétentions de grandeur. Marc chapitre 9, 33 à 34. Et se faire petit pour accueillir le royaume de Dieu avec un maximum d'humilité et d'ouverture. Jésus, serviteur de tous, veut qu'on laisse venir à lui ceux que le monde méprise et qui sont pourtant appelés à entrer dans la proximité de Dieu. Car le royaume est pour ceux qui se laissent aimer, qu'ils laissent Dieu les aimer autant qu'il veut
et comme il veut. Et pour tous ceux qui prennent conscience de la tendresse de Dieu à l'œuvre dans leur vie et qui aiment suffisamment le Père pour trouver cela normal. C'est pourquoi Jésus dira, « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Marc chapitre 9 à 37. La vraie grandeur de l'homme se trouve donc dans l'humilité et l'obéissance à Dieu. Demandons au Seigneur de nous donner cette grâce. Puisse le Seigneur nous donner une part de cette miséricorde abondante à travers le sang du Christ et la sanctification de l'Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photos, vidéos pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concert, conférence et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.